Wie denkt dat kunst en de spoorweg niet samengaan, denkt beter opnieuw. Het jaarlijks Nationaal Salon voor Beeldende Kunsten bewees dat heel wat spoorwegmedewerkers barsten van talent. Le but de l'exposition, c'est surtout de montrer que bon, les cheminots ont aussi des activités en dehors de leur travail et qu'il y a parmi ces cheminots des gens qui sont de vrais artistes. Bien sûr, la plupart ce sont des amateurs, mais c'est une façon de pouvoir montrer ce qu'ils font. Ik ben heel blij. Het is het eerste jaar dat ik hier mag aan deelnemen. En ik ben blij dat ik hier in deze groep heel goed opgevangen geweest ben. Je komt eens buiten met je werk, je krijgt dan ook de respons, een beetje recensies. En zo zien collega's ook wel eens een andere Martin. De tentoonstelling is een initiatief van Be Art, een autonome vereniging die dit jaar 40 kaarsjes uitblaast. Het doel van Be Art is vooral om de mensen, de spoorwegbedienden en hun echtgenoten, familieleden, ertoe aan te zetten om wel creatief bezig te zijn. Ça fait déjà de longues années que j'ai rejoint l'association, qui je trouve a le mérite de mettre en valeur tout le potentiel artistique qu'il y a dans les agents de SNCB, ce que je trouve génial. Pour moi, c'est un passe-temps, c'est une manière un petit peu de m'échapper de la vie professionnelle de tous les jours. C'est mon petit moment à moi que j'essaie de m'octroyer. Met meer dan 500 bezoekers was ook dit jaar de tentoonstelling een groot succes. De kunstenaars mochten bovendien Luc Lallemand verwelkomen en hun werk toelichten. Ce sont des initiatives qu'il faut vraiment encourager et soutenir. En plus, j'ai un intérêt personnel pour la chose, donc je trouve ça formidable ce que les cheminots font. On est quand même dans un monde très technique, de sciences exactes, etc. Donc, je trouve que c'est relaxant de pouvoir voir ce que les cheminots font aussi en termes artistiques. Schuilt er ook in jou een kunstenaar? Dan moet je bij Be Art zijn.